thank you Qu'est-ce que coronavirus Covid-19 et pourquoi est-il important de le savoir? Une nouvelle situation se produit dans le domaine des soins de santé à New York, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est la reconnaissance et le partage d'informations sur une nouvelle maladie respiratoire qui a été nommée Covid-19. Vous l'avez peut-être entendu appeler sous un autre nom le coronavirus. Ce virus fait partie d'un groupe de virus et il peut provoquer des maladies allant de légères à graves. La forme bénigne pourrait être considérée comme un rhume, tandis que les effets graves pourraient être la pneumonie. Il est important d'avoir des connaissances et des compétences sur les nouvelles situations qui affectent notre propre santé et la santé des clients avec lesquels nous travaillons. Selon les rapports médicaux, le coronavirus a commencé en Chine et affecte désormais des personnes dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis et maintenant ici à New York. Il a été déclaré une urgence de santé publique internationale ainsi qu'une urgence de santé publique ici aux États-Unis. New York a commencé à avoir des personnes qui ont été testées à la fois positives et négatives et la situation est surveillée de près au niveau des villes et des États en plus de la surveillance par notre gouvernement fédéral au niveau national. Bien que des personnes dans le monde entier ont guéri de la maladie, d'autres sont décédées. Parfois cela peut entraîner de graves problèmes respiratoires, une insuffisance rénale et même la mort. Les clients pour lesquels nous fournissons des soins à domicile font partie des groupes de personnes considérées comme à risque. Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé existants, en particulier celles souffrant des maladies respiratoires, des problèmes immunitaires et de maladies chroniques. Les jeunes sont également considérés comme faisant partie des personnes à risque particulier. C'est pourquoi connaître les faits, observer nos clients et rendre compte de nos observations ainsi que prendre des précautions et pratiquer la prévention, sont si importants lorsque nous soignons des autres, mais c'est aussi très important pour nous protéger et protéger ceux avec qui nous vivons et venons en contact. Ce virus peut se propager d'une personne à l'autre lorsqu'une personne infectée est tous ou éternue. On rapporte qu'il se propage de façon similaire à la façon dont la grippe se propage. Mais au moment de l'élaboration de ce programme, il n'est pas clair avec quelle facilité il peut se propager. À l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin et le traitement que les gens reçoivent est un soutien pour soulager leurs symptômes. Les recherches sont en cours pour trouver d'autres solutions. Que pourrions-nous observer avec ce virus L'une des parties importantes de notre travail en tant que soignant est d'observer et de faire rapport. Les symptômes du coronavirus Covid-19 incluent fièvre, toux et essoufflement et doivent être signalés. Nous devons le faire immédiatement et conformément aux politiques de notre agence. Ces observations sont basées sur ce que nous voyons et entendons. Il pourrait également être basé sur ce que les clients disent et ce qu'ils ressentent. Il semble que les symptômes surviennent dans les 14 jours suivant l'exposition au virus. Lorsqu'elles décrivent ce qu'elles ressentent, de nombreuses personnes diront qu'elles ont l'impression d'avoir un mauvais rhume ou la grippe. Parfois, les personnes atteintes du virus devront se rendre à l'hôpital. La seule façon de déterminer qu'une personne a le virus est de passer un test de laboratoire. Signaler immédiatement est très important. Nous pouvons tous faire une différence dans la vie de ceux dont nous prenons soin en observant puis en rapportant tout ce que nous trouvons différent ou nouveau. Tout, tout, fièvre, étournement, essoufflement doivent être signalés immédiatement. Tout ce que nos clients nous disent sur ce qu'ils ressentent, y compris ces symptômes, doivent être signalés. Assurez-vous de soigner conformément aux politiques de l'agence et si vous devez laisser un message, il faut faire un suivi pour vous assurer que le message est reçu par la personne à laquelle vous avez été invité à signaler. Prévention et protection. Que pouvons-nous faire pour nous protéger et protéger nos clients parce que les experts apprennent constamment de nouvelles informations sur ce virus respiratoire, il est important de rester à jour. Il est toujours important de vérifier auprès de nos agences les politiques, procédures et mises à jour concernant le contrôle des infections, le lavage des mains et l'utilisation des désinfectants pour les mains. Il existe également des sources fiables d'informations provenant des services de santé de la ville de New York et de l'État de New York, ainsi que des centres de contrôle médical connus sous le nom de CDC. Notre agence fédérale qui œuvre pour améliorer la santé publique lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles situations affectées à notre santé, comme Covid-19, le coronavirus. Il existe de nombreuses suggestions sur CDC et des autorités sanitaires locales qui ont en été rendues publiques pour nous protéger et à protéger nos clients. En particulier en ce moment où nous subissons Covid-19, le coronavirus. Ces suggestions vous seront probablement déjà très familières. Consultez la liste pour voir combien vous connaissez et pratiquez déjà et continuez de suivre. 1. Se laver les mains souvent avec du savon et de l'eau tiède et soigneusement pendant au moins 20 secondes. Ce serait le bon moment pour recevoir les conseils de lutte contre les infections et de lavage des mains de votre agence. Le CDC a une liste d'idées suggérées au moment où euh, il est important de laver les mains. Voici leur liste. Avant, pendant et après la préparation des aliments. Avant de manger. Avant et après avoir pris soin d'une personne à la maison malade de vomissement ou de diarrhée. Avant et après le traitement d'une coupure ou d'une plaie. Avant avoir utilisé les toilettes. Avant avoir changé les couches ou nettoyé un enfant qui a utilisé les toilettes. Avant d'être mouché, avant d'avoir toussé ou éternu. Après avoir touché un animal, un aliment pour animaux ou des déchets d'animaux. Après avoir manipulé de la nourriture ou des friandises pour animaux de compagnie. Après avoir touché les ordures. 2. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si ne pouvant pas laver les mains avec du savon et de l'eau. Assurez-vous de suivre les politiques et procédures de notre agence. 3. Couvrir la toux et les étournements avec un mouchoir et jeter le tissu à la poubelle. 4. Éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées. 5. Rester à la maison en cas de malaise. 6. Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets que les gens touchent fréquemment. Consultez les politiques de votre agence concernant les produits et les procédures approuvées. 7. Certaines parties du monde ont été identifiées comme des sujets de préoccupation pour le virus. Pour toute personne qui a voyagé dans ces parties du monde ou est en contact avec des personnes qui ont des symptômes, la recommandation des experts en santé est de parler à un fournisseur de soins de santé. Pour savoir quelles zones ont été identifiées comme zones de préoccupation géographique, il existe un site web par le CDC dont nous pouvons vérifier la liste www.cdc.gov slash coronavirus slash 2019-ncov slash location confirmed-cases.html diesmap Pour connaître l'emplacement des personnes aux États-Unis avec des cas confirmés, le CDC a également une carte nationale www.cdc.gov slash coronavirus slash 2019-ncov slash cases. In Bien que le site web du CDC contienne de nombreuses informations importantes, nous pouvons également consulter les sites web de l'États-Unis du New York et de la ville de New York. L'État de New York a une ligne directe et un site web sur les coronavirus. Vous trouvez des ressources pour plus d'informations et de mises à jour sur la ligne d'assistance Novel Coronavirus appelée le 1-888-364. 30, 65. Pour des informations en ligne, nous pouvons également consulter le site web de l'État de New York à health.ny.gov/slash diseases/slash communicable/slash coronavirus. Il existe également un site web fourni par New York qui contient des informations www.nyc.gov/slash site/slash slash health/health-topics/coronavirus-page Nous espérons que ce programme a été utile pour fournir des informations et des ressources sur le coronavirus COVID-19 actuel et encourager le monde à rester informé et à jour pour aider à se protéger et à protéger ses clients, familles, amis et communautés. Voici un exemple de vidéo sur le lavage des mains. De John Hopkins Medicine, mais assurez-vous de suivre les politiques et procédures de lavage des mains de votre agent.